Yo les gars, c'est Ancien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on s'attaque au Pokébox. La petite fameuse Dracaufeu, d'ailleurs je crois qu'elle existe en format un peu carré, mais je sais pas si c'est qu'aux États-Unis, etc. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais je crois qu'il y a un autre format de cette Pokébox. En tout cas, on a les trois avec les deux Fort Ivoire et Roue de Fer qui sont ma foi pas ouf. Alors du coup, on va s'ouvrir par ordre de beauté, vous le savez. Et personnellement, je trouve Fort Ivoire plus beau que l'autre monsieur. Donc on va commencer par Roue de Fer. Pourtant les gars, moi j'ai Pokémon Violette, mais je trouve quand même que Fort Ivoire est mieux. Après Roue de Fer, en fait le problème c'est que sa couleur change pas trop. Genre c'est littéralement gris clair au lieu de gris foncé. Donc pas ouf. Hop, c'est parti. Déjà ça c'est mieux, vous voyez, ça c'est du vrai plastique. Les mini-teens, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que j'ai eu un bug de fou furieux. Mais les mini-teens, c'était un peu le bordel. Hop. Du coup, la petite carte, magnifique. Attends. Il n'y a rien derrière, ok. Le code, il est juste là. Boum. Hop. Et du coup, on a 4 boosters. Ok. Hop. Je vais reposer ça juste là pour l'instant, les gars. Comme ça, je l'abîme pas. Enfin, du coup, je mets le code au-dessus. Moi, je suis un golemon. Hop. Voilà. Magnifique. Parfait. Comme ça, je l'abîme pas, vous le savez. Et du coup, c'est parti. On va faire dans l'ordre pareil les boosters les plus beaux. Hop. Et on commence par le plus chum, Oyakata. Du coup, on a 4 boosters, plus 4, 8, 12. Hop. On va voir si on va avoir de la chance en 12 boosters. J'espère qu'on va pas avoir des bugs de fou, comme dans la vidéo des mini-teens, si vous l'avez vu. Et donc, c'est parti. Hop. Let's go. Gourmelet. Neuneuf. Charbonbin. Tarsal, Quentia, Lanthurne, Colline Claire de Lune, une reverse, et holo. Hop. Quand je vois qu'on n'a pas de shiny, les gars, j'enchaîne direct. Parce qu'en général, si t'as pas de shiny, derrière, c'est que des trucs pourris. Genre des vieux dresseurs, juges, ou des ex, enfin, des trucs qui nous intéressent pas, quoi. Après, il peut y avoir des AR, mais les AR, c'est quand même plutôt rare, je trouve. C'est un peu dommage, parce que les airs, elles sont jolies, mais il n'y en a jamais, quoi. Pomme des Pics, Chamallow, Natu, Élève de Paldea, Bagaïd, Rhinolove, Quentia. Ok, première shiny, Ramolos, l'une des plus moches, il n'y a pas de souci. Loclas et rien derrière. J'aimerais bien un double hit. Un double hit, ce serait rigolo. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo de Guillaume et Kim, et ils ont eu deux hits minimum par Pokébox. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo des mini-teens pour voir le quota. Parce que j'ouvre tous les items de cette collection. J'aime beaucoup les collections shiny. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir le quota. Mais du coup, là, j'attends fortement minimum 2 ultras par Pokébox. Sinon, j'ai un peu la haine. Je vais pas vous mentir. Ok, bah on a nos deux ultras. Et c'est une Granivolt. Alors attendez, je m'assois bien parce que j'ai un peu mal au fion. Granivolt, du coup, Granivolt très joli, honnêtement. Si je dois dire la vérité, j'aime beaucoup en vert comme ça. Et derrière, on n'a rien. Ok, par contre, moi les gars, j'en ai un peu rien à cirer des shiny entre nous. Enfin, en tout cas, des bébés shiny. Moi, je veux des ultras de fou qui pètent. Là, c'est pas ouf quoi. Je sais que beaucoup seraient très contents d'avoir des petites shiny, mais moi, je m'en fiche personnellement. Hop. On continue. Charbonbin, Poulpaf, Vrombi, Frigodo, Hyperbol, Colossinge, Farfaduvet, rien, rien et rien. Ok. Bon, pour l'instant, le quota est respecté. Deux ultras. Mais je t'avoue que. T'imagines, t'achètes une Pokébox. T'as deux bébés shiny, genre. Perso, j'ai le seum. Et j'ai le seum. Je sais pas pourquoi je parle à la place des gens alors que c'est moi qui est concerné là. Donc oui, j'ai bien le seum, oui. Effectivement, oui. Hop, le petit Fort Ivoire. D'ailleurs, je vous montre pas les cartes en détail, mais bon, vous faites pause, vous regardez, vous êtes grand. Par contre, ça sort pas, merci. On a nos boosters, boum. Je remets ça là-dedans pour pas l'abîmer, parce que à chaque fois, je suis un golemon et les protège-cartes, je les mets à la fin de la vidéo, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je pourrais les préparer à chaque fois, mais flemme. Hop. Et donc on continue. Et donc comme ça, je les laisse dans la Pokébox. Je les abîme pas. Oh, par contre, comment ça s'ouvre tellement bien. Oh my god. J'adore. Ils ont fait un taf de fou.
la qualité des cartes, tout est parfait. À part peut-être le quota. Fragrant, Lanturne. Oh bah double carte pourrie. Chauve-souris, j'enchaîne. Oh, pas mal. Je voulais enchaîner parce que j'étais en mode catastrophe. Mais pas mal. Dracaufeu, c'est toujours un classique. Donc j'aime bien. Ok, on continue. Hop. Attends, par contre, je commence à stacker mes cartes communes de l'autre côté. Là, ça commence à faire un tas de fou. Du coup, regardez, là, il y a littéralement la languette. C'est juste à tirer. Et ça s'ouvre comme dans du beurre. Je suis pas sûr que ce soit l'expression, mais. Un truc comme ça. Ok. Férosinge. Flotillon. Pikachu. Tout tombe. Machine. Fulgulero. Clove. Rien. Rien. Et une ex pourrie. Ok. Mais j'espère que c'est pas ça nos deux ultras du quota. Puisque là, c'est un peu cata, quoi. À part Dracaufeu, honnêtement, même si c'est une ex pourrie, j'aime bien Dracaufeu. Donc ça me va. Mais Bruyverne, bon. Bon, bon, bon. Purée, mes cheveux me tombent dans la gueule. Ça me saoule un peu. Magmar, Menzi, Salamèche, Super Bonbon, Hyperbol, Famignol, Colline Claire de Lune, rien du tout, rien du tout. Et encore une ex pourrie, frère. C'est une dinguerie. Je crois que je suis le seul mec qui ait des ex. C'est quoi ça? Frère, j'ai 3 ex en 3 boosters. Un T-Rex, un Terrestre, pardon. Je m'en fous de Terrestre, moi. Ok, bah super. Alors attendez, j'ai encore un cheveu qui me tombe dans l'œil. Hop. Boum. Boum. Et let's go. Bon, normalement là on n'a plus d'ultra parce que c'est 2 par Pokébox. Là on a déjà eu 3. En plus des pourris, mais tranquille. Ok, rien, rien. Mais c'est une dinguerie, frère. Mais ils m'ont mis toutes les ex de la collection. Mais what the fuck? Elle est buggée ou quoi cette box? Les gars, on a eu littéralement 4 ex. Bon, elles sont pas protégées, mais vas-y, elles coûtent 3 centimes, les gars. Et puis même, je suis pas en train de les abîmer de fou, vous inquiétez pas. Hop, elles sont posées délicatement. Bam. Je suis un professionnel, vous inquiétez pas. Ok, on passe à la boîte de fou. Et du coup, moi, en fait, je me dis, la meilleure boîte, c'est celle où il y a normalement les moins bonnes cartes. Parce que frère. T'imagines, t'as Dracaufeu promo et en même temps Dracaufeu, t'as genre des cartes de fou derrière. C'est improbable, je trouve. Du coup, pour moi, logiquement, les bonnes cartes, c'était censé être dans les forts ivoires. Sauf qu'on n'a rien eu. On n'a rien eu. Et ça me ferait chier d'avoir dépensé 300 balles. Oui, oui, 300 balles. Pour avoir de la D. Ok, on a 2 Pikachu. Pourquoi pas. Hop, c'est parti. Du coup, là, c'est la Pokébox Dracaufeu. J'en attends beaucoup. T'imagines, t'achètes juste la Pokébox Dracaufeu, mec, et t'as des ultras de fou. T'es trop bien. T'as toutes les meilleures cartes. Ah, j'ai cru que j'avais 2 flottillons. Ok, mais y'a que des cartes violettes et noires. What the fuck? C'est quoi cette dinguerie? Mais what? Littéralement. Mec, cette collection est buggée. Mais regarde encore. Encore. Oh, mais what the. Les gars, la collection elle est buggée de fou. J'ai encore une ex en plus. Une ex violette en plus. Ouais. J'ai encore le titre de la vidéo, moi. J'ai encore le titre de la vidéo, frère. Que des cartes violettes et noires. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Voilà. Le titre s'appelle Des cartes violettes et noires. Alors attendez, juste parce que j'ai l'impression. Ouais, non. Hop. On continue. En vrai, je sais pas si c'est vraiment un bug. C'est plutôt de la chance, je pense, dans le tirage d'avoir des cartes violettes et noires. Mais c'est un peu chelou. Ah, par contre, l'énergie, je crois qu'elle était bleue. Donc c'est un peu tout niqué. Hop, oh, j'ai cru qu'on allait refaire des cartes violettes et noires. J'allais péter un câble. Hop, sac de Menzi, Briochien. Ok, je m'en fous, je vais pas vous mentir. Et rien derrière. Hop, toujours pareil. Les shiny, je m'en fous. C'est pas ce qui m'intéresse. Alors que c'est une collection de shiny en plus. Donc je suis un peu un teubé. Mec, en vrai, en termes de shiny, là, je me suis régalé. Mais malheureusement, je m'en fous. Je m'en fous. Donnez-moi des ultras, s'il vous plaît. Des vrais ultras. Des trucs stylés, s'il vous plaît. Machine, Fulgulero, Quantia. Encore une shiny, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, sérieux. Scalpion. Au moins, le quota est respecté, les gars. Vous avez 2-3 ultras. Max 4 en plus, comme j'ai vu à peu près.
Le quota est respecté. Si vous voulez des shiny, je vous conseille 100% les Pokébox. Pour l'instant, aucune double, que des bébés shiny. On est bien. On est bien. Hop. Ok, énergie feu. Ça veut tout dire, énergie feu, vous le savez. Bon, même si on n'a aucun quota, donc on va enchaîner. Bam, 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 bam. Faible au bol, reptin soul. Bim, bam, bim, bam, boum. Oh, oh, je crois qu'on a eu la meilleure boîte là. Élève de Paldea. Nice. Bon, j'aurais préféré Mendy, j'avoue. En plus, elle a l'air un peu dégueu en haut là. Ok. Et bah, super boîte, la dernière. Du coup, bah, mec, t'as Dracaufeu promo, t'as tout ça là, ce que vous voyez à gauche là. Pas mal. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout le tralala, des commentaires. Ciao, ciao.